votre jauge. Donc moi j'ai un petit jauge, pas très haut. Normalement un jauge ça vient plutôt par là. Celui-ci est plus petit, donc il me donne un peu plus de liberté pour pouvoir bouger. Ski no kamae. L'avant-bras dans le prolongement du jauge. Le coude dans le prolongement du jauge. Pas sorti, pas rentré. Comme ça, c'est pas bon non plus. Ça, c'est pas bon. Ça, c'est pas bon. C'est là. D'accord? Pour que le jauge soit bien dans le prolongement. D'accord? Quand vous armez, armez à fond, faites un mouvement ample. Quand vous piquez, allez suffisamment loin. C'est-à-dire que la main de devant n'est pas au milieu du jauge, mais vous avez votre main ici qui est plus proche de la main gauche, de la largeur des épaules. Donc à chaque piqué, vérifiez ça. Quand vous armez ici, la main droite va dessous. Dessous, dessus. Dessous, dessus. Et quand vous piquez pas trop loin, pour pas qu'il y ait d'espace ici. Hein? Bon. Vous restez en extension, mais pas en surextension. D'accord? Ici. Dans le prolongement. Pas loin. Ich. Ni. Ça. Donc ici on arme à fond, maximum, et la main ici qui est devant, elle va jusqu'au bout, quand, même quand on a un jauge plus grand, hein, elle va jusqu'au bout, et elle se ramène un petit peu, ici. Elle ramène un petit peu. Hein, ne descendez pas la main, ça c'est pas correct. C'est comme quand on va donner un tsuki avec le poing, on fait pas ça, on fait ça. On frappe comme ça, ce qui fait que là, on pique. Alors que si vous faites ça, vous montez. Ça, c'est bien quand on a un tanto, pour couper avec le tanto. Hein. Mais avec un jauge, on ne fait pas ça. Avec un jauge, on fait ça. Donc il faut aller vers l'avant. Avec la main gauche ou avec la main droite. Donc vous allez maintenant changer et faire ski à gauche. Vous changez votre ami et ski à droite. Changez votre ami. Donc je fais un changement doué. Là, je suis juste en train de changer de 90 degrés. Je ne fais pas 180. Hein, je vais un coup à gauche, un coup à droite. Itch. Je change. Ni. Donc je ramène la jambe qui est devant. Et ensuite, en piquant, j'avance la jambe qui était derrière. Hein, je suis en kamae ici et ensuite j'avance. Ça, c'est pour le faire sur place. Hey. Hey. Donc, comme j'ai un jauge qui est plus petit, c'est plus facile de faire ça dans une pièce et ça m'évite de casser les lampes, les ampoules. Mais il faut penser que normalement le mouvement est un peu plus ample hein, si on travaille avec un petit jauge, un petit bâton. Ah. Donc la main est dessous et elle vient dessus, ça tourne en quelque sorte le jauge. Ça place la main ici. Hein, on va un peu plus loin. Si la main était dessous, j'irais un peu moins loin en fait. On va faire à 180 degrés maintenant, hein, et on pivote ici, et on pique de l'autre côté. On se met en kamae, on arme et on pique, on se met en kamae, on arme et on pique. Kamae, ich, kamae, ni, kamae, san, kamae, shi, kamae,
go. Kamae, rock. Quand vous tournez, vérifiez que vos hanches ne bougent quasiment pas. Les hanches ne tournent quasiment pas. C'est pas ça. Ça, c'est damé. Hein, c'est juste ça. Les hanches et les épaules ne tournent quasiment pas. Ich, ni, san, shi, go, rock. Donc là, on fait quasiment pas de mouvement de pied, on est sur place. Hein. Bon. On n'a pas le loisir d'avancer parce que la pièce est trop petite. Et c'est intéressant aussi de travailler la connexion ici. Bon. La connexion avec le pied arrière. Le fait de ne pas bouger le pied arrière permet de bien travailler le fait qu'on appuie sur le pied arrière. Ok ? Maintenant, on va modifier un petit peu ce travail ici. Quand vous allez tourner, vous serez déjà prêt pour faire le ski. D'accord ? C'est plus je tourne, je fais mon ski complet en armant. C'est je tourne et je suis déjà armé pour piquer. Parce que j'ai un joue qui est plus petit. Normalement, on arme bien. Et vous, si vous travaillez dehors, si vous avez la chance d'avoir un jardin, n'hésitez pas à faire un mouvement plus grand. Ok. Les sous-bouris du jour. Les deux premiers sous-bouris du jour. Ça va, les épaules, le buste. Allez, itch. 1, 2. Cette fois-ci, on est en jo, nos kamae. Le kamae du jo, c'est celui-ci. Donc le pied est très proche du jo. Plutôt le jo est très proche du pied. C'est juste 1 ou 2 cm. Autant derrière. Le jo est devant le gros orteil. Et donc le corps se place, c'est ça le mouvement, c'est ça. C'est le corps qui se place. Du coup, la main ici, elle n'a pas besoin d'aller chercher, ça arrive tout seul. C'est la main gauche aussi qui amène, en quelque sorte. D'accord? Et après, vous allez pouvoir piquer. Donc, 1, 2, ski no kamae, 3, no kamae. 4. 5. D'accord. 6. On pourrait s'amuser à faire de l'autre côté. Ouais, on va le faire. Hein, pour travailler les sensations. Donc vous avez le pied droit qui est devant. Et cette fois-ci, vous vous mettez dans cette posture. Itch. Faites un ski à pied droit devant. Ni. San. Shi. Go. Rock. Sitch. Hatch. Évident quand on a l'habitude de travailler de l'autre côté. Forcément, on a tous l'habitude de travailler de l'autre côté. Et 10. Un détail important, c'est que quand vous armez ici, il ne faut pas avoir les mains ouvertes. Quand on arme, on essaie de garder le contact avec le petit doigt. Souvent, on voit ça. Ça, c'est pas bon. C'est pas avec les index, c'est avec le petit doigt. Donc, on relâche quand même. Hein. C'est pas crispé. Si on ne relâche pas, on ne peut pas aller loin. Donc on relâche, mais pas au point de perdre le contact. Vous voyez? Et on ne tourne pas le poignet. On ne fait pas ça. Ça, c'est pas bon. Le poignet reste droit. C'est vrai des deux côtés. Donc
on revient en skinokamae. On pique. Et on va faire l'awase. Hein. Quand on fait awase, on va chasser ici le jo par la gauche et on revient piquer. Donc, première awase, c'est par-dessus. Ici, on revient, par-dessous. On vient par-dessous. Hein. On fait un ski et on revient par-dessous et par la gauche. Ski, ouvrez, revenez par-dessous et par la gauche. Donc c'est la main arrière qui travaille. Ce n'est pas la main avant qui bouge, c'est la main arrière qui bouge. Ski, ouvrez un petit peu, pas beaucoup, juste un petit peu. Et vous revenez en chassant par en dessous pour finir au même niveau que le ski en face de l'adversaire. Itch. Ni. Ski. San. Évitez d'être de face. Remettez-vous de côté. Shi. Go. Walk. Sitch. Ach. Ju. Premier chassé par la gauche et par dessous. Deuxième chassé toujours par la gauche mais par dessus. Ich et là on revient par dessus avant de piquer. Ich, dessus, piquer. Donc quand le jo vient dessus, le corps descend en même temps. Hein, ça réduit les distances. Là, le jo a beaucoup à faire pour venir protéger le visage. Là, il a beaucoup moins à faire parce que le visage aussi se place ici en protection. Ski, protection. Ski, protection. Ski, protection. Ski, ouvrez, protection. Ski, ouvrez, protection. Ski, ouvrez, protection. Hein, pour travailler les avoisés. Autre suburi, on chasse par la gauche. Donc ski, ouvrez et vous allez chasser par la gauche. Donc quand on chasse par la gauche, c'est la main gauche qui bouge. C'est plus la main droite. La main droite est au niveau du ventre, elle ne peut plus de toute façon faire. Donc c'est la main gauche qui tourne. Ski et on chasse. Alors autant tout à l'heure on était par-dessous ou par-dessus, ici à gauche, c'est par le côté. Si jamais vous faites par-dessus, vous allez ramener le jo de l'adversaire vers vous. C'est pas bon. D'accord? Et puis par-dessous, c'est pas possible, on est coincé. Donc ce qui est important, c'est de chasser par le côté, pas par-dessus. Donc n'allez pas vite et visualisez, imaginez le jo et vous le frappez par le côté. Et vous faites votre ski. Vous ouvrez, vous chassez par le côté. Hein, pas par-dessus, par le côté, et vous faites votre ski. Ich, a, ni, a, san, a, shi, a, go, a, rock, hi, sitch, a, ach, a, ça va? On monte protection par le. Donc faites un ski comme dans le quatrième mouvement du kata 31. Hein, protection ici, et là au lieu de frapper par-dessus, on redescend directement en chassant par la gauche, par la droite. Pardon. Donc c'est très simple comme mouvement, il suffit de descendre ici, et automatiquement on est protégé, on n'est pas en le jour adverse est chassé. Donc ski, ici vous tournez les mains, les poignets, dans le sens du jour qui tourne dans ce sens. En quelque sorte, vous vous replacez en skinokamae et vous faites votre ski. Ouvrez,
protection, ski no kamae, ski. Ski, ouvrez, protection, ski no kamae, ski. Et de là, on peut enchaîner aussitôt. Hein. Protection, ski no kamae, ski. Protection, ski no kamae, ski. Attention de ne pas descendre ici, ça c'est pas correct. Ça c'est damné. Hein. Ça c'est pas bon. Ici, direct. Le jeu est déjà en bas, c'est pas la peine de le descendre plus. Là, vous montez. Ski, vous montez. Hitch, ni. Hitch, ni. Donc là, la caméra est plus basse que moi. Mais si je me mets au même niveau que la caméra, vous voyez, ici, c'est plus bas. Voilà. Le mouvement plus avancé, c'est donc celui où on vient par-dessus ici. C'est moins la base. Hein. Ici, on monte, on utilise la main arrière pour chasser. Là, quand on chasse, c'est pareil que tout à l'heure. On ne chasse pas par-dessus, on chasse par le côté. Montez, chassez par le côté et revenez. Mais ce n'est plus la base. Allez, mouvement suivant. On fait un ski et on va se protéger de l'autre côté. Faites un ski par la gauche, vous changez de ami et vous vous mettez un ami droit devant pour vous protéger comme on l'a fait tout à l'heure. On se protégeait comme ça. Là, on fait la même chose. En fait, ce mouvement-là, il pourrait venir avant. Hein, je vous ai montré ce en haut, mais d'abord, il y a celui-ci qui est plus logique de faire en premier. Donc ici, vous vous déplacez. Ici. Ski, c'est pas le jeu qui se déplace, c'est pas vous qui allez de l'autre côté. Vous reculez le pied gauche et le jeu revient avec vous. Hitch, c'est la main gauche qui, c'est pas la main droite qui avance, c'est la main gauche ici qui recule et ensuite qui emporte le jeu avec vous pour la protection. Et après vous pouvez piquer pied, main droite devant. Ski à gauche. Repositionnez votre pied arrière, talon vers l'arrière, puis reculez la jambe avant. Laissez glisser la main gauche qui ramène le jeu, qui vous protège et vous descendez un petit peu. Vous montez le jeu un petit peu, vous descendez votre corps un petit peu. Et au final, vous êtes protégé avec un minimum de temps. Et après, vous réarmez à fond avec le bras qui monte ici sans ouvrir le petit doigt. Et la main ici qui plie un petit peu sans descendre le jeu. Main dessous, main dessus, épaules serrées, pas épaules ouvertes, pour être connecté avec l'arrière. Et une dernière fois, puis on va s'arrêter là, pour le jeu. Hitch, ni, kamae, hitch, ni, ski, pardon, kamae, ski à gauche. Protection, ski à droite, kamae, ski à gauche, protection, ski à droite. Ok, merci pour le jeu. Étirez les bras.